Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons d'exportation de morceaux dans Studio One. Moi, j'ai prévu, enfin, normalement, il y a 10 étapes à ne pas oublier de faire avant d'exporter son morceau. Je vais vous montrer comment, en fait, on veut faire une exportation de morceaux lorsqu'on veut donner son mixage à quelqu'un d'autre, à un ingénieur du son. Un ingé son, si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas capable, vous ne pensez pas capable de le faire. Donc, vous envoyez ces stems, ces tiges, vous les envoyez directement à un ingénieur du son qui va vous faire le mixage. Et donc, pour ça, il a besoin d'avoir des fichiers propres, sans artefacts, sans reverb, sans rien du tout, brut. Ce sont des fichiers bruts, de façon à ce qu'il puisse les travailler, lui, dans son studio. Alors, je vais vous expliquer comment on fait ça. Les 10 étapes pour exporter son morceau. Donc, je vais vous faire écouter ce morceau. En fait, ce morceau, c'est une composition que je vais mettre comme ça. OK? Voilà. Voilà, c'était le morceau, un morceau que j'ai fait. Et puis, bah, je pense que ça passe hein, pour le travail, pour travailler sur certaines choses. OK, voilà. Pour travailler d'autres choses dessus. OK, donc en fait, comme ça, il n'y aura pas de problème de droit d'auteur.
Alors, donc en fait, au départ, on va commencer par étape 1, nommer vos pistes. Alors, étape 1, il faut nommer les pistes. Vous les nommez toutes, une par une. Voyez, comme là, comme ici, tout est nommé. OK? Voilà. Tout est nommé. N'oubliez pas, hein, de bien nommer vos pistes. C'est très important au niveau de ça. De façon à ce que la personne qui reçoit le mixage, elle reçoit ce mixage avec les pistes déjà préparées, nommées et tout ça. Deuxième étape, consolider les événements. Alors pour consolider les événements, voyez, celles-ci ne sont pas consolidées en fait. Les événements ne sont pas consolidés. Donc on va le faire ensemble, hein, comme ça je vais vous le montrer vraiment en direct. Donc en fait, on consolide pour consolider les événements. Vous prenez vos événements, vous les prenez. Vous prenez vos événements comme ça, ici, celui-ci par exemple, et je le consolide. Pour le consolider, c'est marqué ici, consolider la sélection. Voilà, tout est consolidé. OK, donc on peut voir, voilà, on va jusqu'à la fin, tout est consolidé. Donc maintenant, deuxième étape, troisième étape plutôt, mettre la boucle le plus loin que les pistes. Alors mettre la boucle elle est là. On met la boucle et on rajoute un peu la boucle à peu près ici. Hein, on met la boucle un peu plus loin de façon à ce que s'il y a de la réverb ou quoi que ce soit, des effets, de quoi que ce soit sur un son, que ce son-là soit déjà répertorié. OK? Qu'il soit déjà dans la boucle. Donc bon, là, on est bien. OK. Quatrièmement, c'est désactiver les inserts et les sends. Alors, sauf les effets créatifs, c'est-à-dire vous prenez par exemple un son que vous avez intégré dans votre morceau, un morceau créatif, ça peut être une dobro par exemple, vous voulez vraiment ce son-là, donc vous laissez l'effet. Donc là, on a le logiciel en fait, SUDIO1, et puis il y a beaucoup de logiciels font ça maintenant, beaucoup de séquenceurs font ça. Il y a ici, vous avez ici le petit bouton là qui vous donne activer tous les inserts. Donc vous le désactivez en fait, vous le désactivez et il vous désactive tous les inserts et tous les sends. Regardez, les départs sont désactivés. OK? Tous les effets sont désactivés. Voilà. Vous avez tous les effets qui sont désactivés. Cinquièmement, il faut remettre tous les panoramiques à zéro. Donc les panoramiques à zéro, vous les mettez tous à zéro. Moi, j'en avais pas, je crois. J'en ai pas. Non, j'en ai pas. Donc vous remettez tous vos panoramiques à zéro. Sixièmement, on met tous les faders à zéro. Ensuite, on va dans morceaux. On fait exporter les sous-groupes. Exporter les sous-groupes. On ne prend pas les canaux. On ne prend pas les canaux, ça sert à rien parce que les canaux, ça va vous donner les fixes et tout ça. Là, on prend les pistes. On prend les pistes. Et là, vous avez juste les pistes. Vous voyez, vous avez juste vos pistes. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Ça, c'était la septième étape. Après, en huitième étape, il faut nommer vos préfixes du nom de fichier avec le tempo. Donc là ici, préfixe de nom de fichier, c'est ici. Préfixe de nom de fichier, vous allez marquer dessus le titre, votre titre, celui que vous voulez. Hein. Moi j'ai marqué mon titre 2, je m'en fous. Vous allez marquer ici le titre du nom du fichier et mon titre 2. Et en même temps, vous mettez par exemple le tempo. Donc le tempo, il était de 120. Il était de 120. Donc vous mettez avec un tempo de 120. Mettez avec un tempo de 120. OK. Ne pas publier, on s'en fout. Ce qui est super important, c'est le format. Le format, c'est hyper important pour la personne qui va recevoir vos fichiers. Il faut que vous regardiez déjà dans votre fichier à quoi correspond le taux d'échantillonnage et la résolution. Donc on va retourner dans le morceau ici, dans morceau, configuration du morceau. Configuration du morceau, il vous marque la configuration du morceau. Le morceau, il est en 44, 24 bits, en résolution de 24 bits et 44. Donc vous le prenez, vous mettez celui-ci. Donc exporter les sous-groupes, on met les pistes,
On met le nom, on met le tempo, éventuellement, ou votre adresse mail, ou éventuellement un peu de pub, tout ce que vous voulez, hein. Et donc, ici, fichier V, 24 bits, 4400. On est bon. Et maintenant, la dixième étape, c'est de bien regarder si on voit écrire le tempo. Et là, ici, on coche écrire le tempo dans les fichiers audio. On écrit le tempo dans les fichiers audio, comme ça, on est sûr que ce soit prêt, que ce sera fait dans le fichier. Voilà, et c'est tout. Utiliser traitement en temps réel, on ne le met pas en temps réel, on laisse comme ça, préserver la piste mono, et on fait OK. Voilà, je ne vais pas le faire parce que, oh, à la rigueur, je pourrais le faire, mais bon, si, OK. On le laisse tourner, hein, et il sort toutes les pistes, il vous met toutes les pistes, il va exporter toutes les pistes, et puis voilà. Alors là, il y a un écrêtage qui s'est produit, dépassant de 2, 3. Vous voyez, il vous le marque, un écrêtage s'est produit. Donc ça, c'est pas bon parce qu'en fait, automatiquement, un écrêtage s'est produit, le signal dépassé de 230. Donc en fait, si vous exportez ce morceau comme ça, le problème, c'est que l'écrêtage qui a été fait, c'est au niveau de l'orgue, il vous le dit, au niveau de l'orgue. Et il va falloir soit remédier, soit je supprime le fichier. Exporter le fichier d'orgue exporté, soit je le supprime et j'en veux pas, ou soit j'annule et je refais, je m'arrange de façon à ce que l'écrêtage ne soit pas dépassé. Parce que automatiquement, si vous avez un écrêtage sur votre fichier, au niveau de l'export, ben vous aurez un problème. Au niveau de l'export, au niveau de ce fichier. Il sera inutilisable pour l'ingé son. OK, alors là, je mets non. Voulez-vous supprimer les fichiers? Non. Et j'annule tout. Annuler. Et donc là, je remédie à ce problème au niveau de l'écrêtage. Et de toute façon, je le verrai aussi quand j'écoute le morceau. Quand j'écoute le morceau, je le verrai. Voilà comment on fait une exportation de morceaux en 10 étapes. Et ça vous permettra d'avoir votre morceau déjà bien exporté, bien estimé par votre ingé son qui vous fera le mixage qu'il vous faut et en fonction de ce que vous avez demandé, en fonction des stems que vous avez envoyés, des fichiers bruts que vous avez envoyés, et donc comme ça il pourra vous faire un mixage adéquat. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et puis que, ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ok? Allez, ciao!